Continue de faire la manchette, les dépenses à la Ville de Montréal et notamment l'Office de consultation publique de Montréal. Et on a su hier, en cours de journée, qu'il allait y avoir des enquêtes là, de la commission municipale sur ces dépenses. La commission municipale, c'est son rôle. C'est un des rôles de la commission municipale d'aller enquêter sur la gestion de certaines municipalités. Et la commission municipale, bon, peut prendre des initiatives d'aller vérifier des choses, mais la commission municipale fonctionne aussi beaucoup par plainte. C'est lorsqu'un citoyen ou lorsque quelqu'un porte plainte qu'on va décider... Bon, on peut décider aussi que la situation ne le justifie pas, qu'il n'y a pas matière, mais c'est généralement sur une plainte que la commission municipale va aller voir est-ce qu'il y aurait matière à enquête. Bien, concernant ces enquêtes de la commission municipale, on sait maintenant, on vient d'apprendre qui serait à l'origine d'une des plaintes. On parle tout de suite à l'ancien maire de Montréal, Denis Coderre. Monsieur Coderre, bonjour. Monsieur Dubois, monsieur maire. Est-ce bien vrai que vous êtes un de ceux qui aurait, un de ceux ou le seul, on ne le sait pas, mais qui aurait porté plainte? En tout cas, je ne sais pas si je suis seul, mais je sais qu'hier, je l'ai fait. Alors, comme ancien maire de Montréal, vous vous souvenez que j'avais fait un ménage à Tourisme Montréal. Et je pense, très sérieusement, que le CPM a un rôle à jouer, mais il ne faut pas que ce soit instrumentalisé par l'administration en place. Alors, tu ne peux pas consulter et prendre ça quand ça fait ton affaire puis quand ça ne fait pas ton affaire, comme Camillien Houde, de mettre ça de côté. Alors, pour moi, je pense que comme citoyen responsable, vous savez, vous avez parlé avec raison hier, le ménage qu'on doit faire à la STM. Quand on hausse les salaires de 7,1 %, quand aujourd'hui, on va augmenter les taxes de 4,9 %, et on doit prendre en considération que l'année passée, on l'avait augmenté de 4,1 %, donc, à l'aune d'inflation, on est rendu à 9 % là, d'augmentation en 2 ans. On a augmenté de 1 milliard de dollars les dépenses à l'intérieur de la ville. Alors, imaginez-vous le nombre de parties de vite qu'on pourrait avoir avec ça. Monsieur Coderre, juste sur la commission municipale. Donc, vous avez porté plainte pour les dépenses de Dominique Olivier à l'Office de consultation publique de Montréal? Est-ce qu'il y a aussi une plainte sur la gestion des dépenses de la mairesse, les voyages dont on entendait parler en fait, hier? Oui, en fait, moi, ce qui est venu me mettre une puce à l'oreille, il y a une experte en gestion municipale qui disait que j'avais dépensé 2 fois plus en mission internationale. Je peux vous dire que la seule fois que j'ai demandé un remboursement pour des dépenses, c'est deux lunchs, dont un avec le directeur général Alain Marcoux et deuxièmement avec le secrétaire général de l'OACI, l'Organisation de l'aviation civile internationale, qui est un organisme de l'ONU. Alors, entre vous et moi, là, j'ai toujours payé mes frais de bouffe et puis. Donc, quand vous avez voyagé à l'étranger, vous n'avez jamais chargé les repas? Jamais. 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 Quand tu veux boire du vin, tu te le payes. Quand tu vis des yeux, tu te le payes. Alors, pour moi, la question que je me posais, par exemple, Mario, c'est que quand Dominique Olivier, puis c'est moi qui l'ai nommé. Alors, moi, là, j'ai déjà eu l'appui d'un homme d'affaires important, puis ça ne m'a pas empêché, à cause de cette amitié-là que, malheureusement, j'ai perdue, de lui demander sa démission parce qu'il est en charge de la ratification des dépenses. Alors, quand j'ai fait The New Sheriff in Town, là, j'ai voulu faire le ménage. Mais ce que je trouvais drôle, c'est que quand Dominique Olivier a annoncé sa double, la prime là, pour les fonctionnaires, les hauts fonctionnaires, pendant la pandémie, elle était présidente de l'ECPM. Alors, je veux savoir, est-ce qu'elle a reçu cette prime-là elle-même, de 3 000 $? Deuxièmement, quand elle a annoncé son départ pour aller avec Valérie Plante, est-ce que ça s'est réglé pendant qu'elle est encore présidente? Est-ce qu'il y a eu un lunch et est-ce que la mairesse ou Dominique Olivier a payé pour? Alors, vous avez des choses à l'intérieur. On avait des questions, là? Alors, oui. Ouais. Alors, moi, j'ai demandé qu'on regarde l'ensemble des dépenses et le processus de ratification, non seulement avec Dominique Olivier, Isabelle Beaulieu et Guy Grenier, l'homme de Saint-Jean, là, le secrétaire général, là, qui dépense à Douvan. Et moi, je me pose la question, si... Comment ça se fait si c'est si grave que Mme Olivier ne s'est jamais excusée? Puis comment ça se fait qu'elle n'est plus présidente du comité exécutif, mais incapable d'être conseillère municipale à Rosemont? Alors, je veux savoir si la commission peut regarder l'ensemble du dossier
et de voir si, à la lumière de cette enquête-là, elle doit rester aussi conseillère municipale. Monsieur Coderre, l'office de consultation municipale, quand même, vous dites que vous l'avez créé, il y avait un rôle, mais est-ce que vous n'avez pas... J'ai nommé Dominique Olivier. Je comprends, mais est-ce qu'il n'y a pas une responsabilité, quand vous êtes passé à la mairie, d'avoir veillé à la mise en place de règles totalement de dépenses minimales, par exemple au niveau des comptes de dépenses? Quasiment tous les organismes publics dans les années 2000, tu sais, il y a un protocole de compte de dépenses, des limites de dépenses, des choses que tu mets, des choses que tu mets pas. On comprend qu'à l'Office, il n'y avait pas de règles. Donc ça, ça s'est passé sous votre administration? Bien, Mario, deux choses. La première, c'est que quand je suis arrivé, j'ai fait un ménage complet. J'ai créé une première au Canada en créant l'inspecteur général. Les prix des matériaux sur l'ensemble ont baissé 30 %. Je m'enlignais pour faire le ménage sur la STM. Parce qu'à l'époque, si j'avais été maire, j'aurais nommé Alain de Souza, qui est un comptable, comme président de la STM. Et là, ils ont repris l'idée avec Caldwell. Alors, s'il y a quelqu'un qui représente l'administration, il doit arrêter de mettre la faute sur les autres et prendre ses responsabilités. Alors, j'étais en train de faire un ménage. Si j'avais su, comme je te dis, avec la vérification générale, parce que ça sortait en 2017, au mois de septembre, on était en pleine campagne électorale, si je l'avais su, c'est sûr que j'aurais fait le ménage comme j'ai fait le ménage à Tourisme Montréal. Alors, le problème, c'est pas parce que Dominique est une femme et haïtienne, ça n'a rien à voir. C'est que si... Depuis la loi Helms-Burton aux États-Unis, le CA ou les personnes en charge qui sont responsables de la ratification des dépenses ont des justifications à jamais donner ces pièces justificatives. Et puis, en plus, la mairesse a aussi aveu la tête d'Isabelle Beaulieu. Attendez pas, faites une résolution, pas au conseil municipal aujourd'hui. Aujourd'hui, on est le 15 novembre, en plus, c'est le comité exécutif. Qu'est-ce qu'il y attend pour faire une résolution au comité exécutif? Ça a été nommé au bon plaisir de l'administration municipale. Bien, moi, je n'ai pas eu peur d'appeler l'ancien président de Tourisme Montréal et le PDG pour dire bye-bye, mon homme. Ce qu'on apprend ce matin de notre bureau d'enquête, le fait que la vérificatrice... Parce que ce qui avait été dit jusqu'à maintenant, c'est que l'Office de consultation publique, il n'y avait pas trop de règles, c'était des mauvaises habitudes qui avaient été prises. Mais tu sais, là, ce matin, le bureau d'enquête apprend que la vérificatrice générale de Montréal, il y a quoi, plus de 5 ans, s'était penchée sur les dépenses, avait trouvé que ça n'avait pas de bon sens, qu'il n'y avait pas de documents d'approbation, etc. Et donc, avait demandé à Mme Olivier un redressement de la situation. Est-ce que ça vient pas s'amener à encore une aggravation de la situation? C'est-à-dire que c'est pas juste une espèce de... Tu sais, on va dire la loi de l'inertie, ouais. Là. Ils avaient été avertis, ils ont rien fait. Puis j'ajoute à ma question, est-ce que la mairesse, est-ce que la vérificatrice, à ce moment-là, quand quelqu'un bouge pas, tu sais, t'avertis son boss, t'avertis son patron, est-ce que la vérificatrice n'aurait pas dû avertir la mairesse? Moi, Mario, je vais dire une chose, c'est que malheureusement, la vérificatrice générale a juste un pouvoir de recommandation. Et moi, à l'époque, j'ai eu le meilleur, après Lucien Saunier et après Yvon Lamarre, le meilleur président du comité exécutif en la personne de Pierre Desrochers. C'est grâce à lui qu'on a sauvé la Formule 1 pour 10 ans. C'est grâce à lui qu'on a récupéré le terrain de bonus, là où il ne se passe rien présentement. Et c'est grâce à lui qu'on a coupé pour la première fois dans les dépenses et notre toute taxation en 2014 ou 2013 et 2017 a passé de 2,8 % à 1,7 %. Donc, on a coupé les dépenses, on a par attrition réduit le personnel à 2200 personnes ou 2000 personnes. Et là, actuellement, on a augmenté les taxes de 9 % en 2 ans, là, comme qu'on va vous annoncer aujourd'hui. On va en plus... On ne fait même pas de gel de l'embauche parce que, évidemment, Projet Montréal, c'est le club école de Québec solidaire, puis ils sont à la remorque des syndicats. Deuxièmement, est-ce que vous avez plus de services? Puis qu'est-ce qui justifie que les dépenses ont augmenté de 5,4 milliards à près de 7 milliards de dollars?
Alors, moi, Mario, ce que je dis, c'est que... Donc, le budget d'aujourd'hui, vous avez l'air d'en savoir déjà des bouts. Vous êtes déjà critique d'un budget qui n'est pas encore publié? Non, bien, moi, je suis sûr qu'il va l'augmenter parce que Dominique Olivier, elle avait dit à l'époque qu'elle n'ira pas au niveau de l'inflation. Et le taux d'inflation des métropoles pour Montréal est de 5,2. Ce matin, dans la presse, on dit 4,9. Puis quand la presse sort ce genre d'article-là, tu appelles ça une fuite orchestrée. Alors, le 4,9, si tu l'as dit... C'est trop? C'est trop comme augmentation de taxes? Explique-moi pourquoi qu'on a mis à zéro les taxes pendant la pandémie, puis que là, on se déchire la chemise, mais on augmente les taxes à 4,9. Et quand tu regardes la moyenne dans les arrondissements qui représentent un taux de taxation de 5 à 10 % qui augmente de 10 % jusqu'à 15 % en joue, avez-vous plus de services? On enlève une fois les poubelles seulement dans Hochelaga et Zonneuve. La vermine est pognée là-dedans. Il y a 14 000 personnes qui tombent dans le trottoir parce qu'on ne les déplace pas. Les bouts de vierge, j'ai toujours à vous dire, les bouts, là. Le rôle d'une administration, c'est de respecter la capacité de payer des gens. S'ils ne sont pas capables de faire ça, puis s'ils ne sont pas capables de prendre la chaleur, vivement les élections en 2025, puis inquiète-toi pas. Je suis comme toi, on ne fait plus de politique, mais on dit notre point de vue. Alors, je ne me présenterai pas à la prochaine élection. Ben là, vous suivez ça de proche pour un gars qui est plus intéressé, là? Ben non, mais je paye des taxes, je reste à Montréal, moi, là. La différence, Vos plaintes, là, la commission municipale, tout ça, c'est... Je ne me présente pas. Comme simple citoyen. Oui. Et moi, je vais te dire, la différence entre Mme Plante et moi, c'est qu'elle aime sa job, moi, j'aime ma ville. Alors, à chaque fois que vous m'avez vu pour défendre les intérêts de Montréal, j'ai répondu présent. Mais on a un rôle d'éducation à faire. Ouais. Mais là, je fais un scénario. Vous savez, on aime ça, on jase, on réfléchit ensemble. Mettons qu'il n'y a personne pour se présenter contre elle, puis là, il y a bien du monde qui disent « Ah, là, dans le fond, ça serait pas si mauvais que Denis revienne, là. Ça va vous travailler pas à peu près, là. » La question, c'est pas c'est qui le meilleur. La question, c'est de savoir comment on peut la battre. Alors, je ne vivrai pas un troisième référendum sur ma personnalité. Présentement, je suis chroniqueur bénévole à CKVL, à la radio communautaire. Et puis, ne manquez pas ça tous les lundis, mercredis, vendredis à 16h. Je me défoule là. Je mourrai pas d'ulcère parce que je me défoule. Et puis, Mario, on a un point en commun, c'est qu'on aime la politique. Ça fait longtemps qu'on en fait. Et quand on a un rôle, à mon avis, le monde a oublié le verbe « être » et « assumer ». Alors, on a un devoir d'éducation et de vulgarisation, ce que tu fais très bien. M. Coderre, merci beaucoup. T'as plaisir. Lâche pas.